heureux. En attendant, la mort. Vivons heureux en attendant la mort. Attendons la mort en vivant heureux. En attendant la mort, vivons heureux. Vivons la mort heureux. Mais à vous. Comment? À vous. C'est à moi que tu parles, là? Eh oui, à vous. Mais que j'avoue quoi? Pas à vous, à vous. Ah, à moi? Mais oui, à vous, vite. Non, mais tu dis à vous, on se tutoie, non? Alors moi, à vous, j'ai compris à vous, tu comprends? si tu veux, à toi, mais vite. Ah, mais on se tutoie alors, c'est bien ça? Si tu veux, à toi. Non, mais je ne veux pas te gêner. Il y en a qui préfèrent continuer à se vouvoyer. Moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde, même si on ne se connaît pas trop. Bon, alors, d'accord. D'accord, allez, votre réplique. Ah mais, finalement, on se dit bon? On se dit tu, si tu veux. Mais avec ou sans tu, avec ou sans vous, ce que j'attends de toi, c'est ta réplique. Et vite, mais avançons, faudrait quand même qu'on aille jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout de quoi? Mais au bout de la pièce. Vas-y, c'est pas si grand. Mais de la pièce de théâtre, imbécile. C'est moi que tu traites d'imbécile, hein? Non. À qui alors? Enfin, oh, pas vraiment. Oh, puis c'est ce genou là dans la pièce. C'est vraiment nul, non, pas vrai? Oui, peut-être, mais moi, attendant, je déjante. Tu quoi? Je déjante, je suis déçue. Ah, tu déjantes? Oui, enfin, je ne tiens pas trop, hein. Je trouve que ma voix n'est pas très bien placée. Alors, je préfère m'abstenir. Je vois. Oui, tu vois, on est d'accord. Allez, on oublie tout ça et vas-y, je t'écoute. Vivons heureux en attendant la mort. Écoute, vieux, je vais être franche avec toi. Tu piétines maintenant. Passe là-dessus et attaque la suite. Mais envoie-moi ta réplique, mon chien, si tu veux qu'on avance. La réplique? Tu veux que je te donne la réplique? Mais oui, ça fait plus d'une heure que j'essaie de te faire comprendre. Je vais te donner la réplique, mais bon, je suis pas venu vraiment pour ça. Mais c'est dingue cette histoire. T'es comédienne, oui ou non? Oui, enfin, débutante, hein. J'ai juste tourné dans une pub de lessive. Tu sais, tu l'as vue sans doute, non? En tout cas, je ne me souviens pas de toi, hein. C'est normal. Tu ne peux pas t'en souvenir, on ne me voit pas. Ça explique tout. C'est-à-dire que, voilà, je tiens un baril de poudre à laver près d'un grand drap blanc. Et il y a mon ombre qui se projette dessus. Alors celle-là, je l'ai vue. Mais par contre, tu m'excuseras, mais alors je n'ai pas reconnu ton ombre. Il n'y a pas de mal. Même moi, si je n'avais pas été au courant... Enfin, tout ça pour te dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience au théâtre. Alors, quand j'ai su que ce que tu faisais était bien, j'ai pensé que ce serait instructif pour moi d'assister à l'une de tes répétitions. Mais ça n'est pas une répétition. Quoi? Mais ça n'est pas une répétition. Je ne répète pas, je joue. Sans blague, il y a du monde, là? Mais oui. Je n'arrive pas à y croire, mais on n'y voit rien. C'est parce que tu es aveuglé par les projecteurs. Quand on a été publicité dans une réclame pour la lessive, forcément, on n'est pas habitué à la réalité du plateau. Mais alors, tu joues tout seul? Non. Le comédien avec lequel je devais jouer était accidenté. Alors, à la dernière minute, on devait m'envoyer un remplaçant qui connaissait le rôle, alors je pensais que... Ah, d'accord. Eh bien, je ne vais pas te déranger plus longtemps, alors. Puisque je suis ici, ben, j'en profite, hein. Allez. Pardon, je peux m'asseoir près de vous? Merci. Ah, c'est confortable, hein. Je suis installée, vas-y, on t'écoute.
Comment veux-tu que je joue, moi, sans partenaire? Je sais pas, moi. Bah, improvise. Mais alors, il n'en est pas question. Bah, trouve une solution, en tout cas, nous attendons. Comment ça, nous? Bah, nous, les spectateurs. Je peux te dire qu'on commence sérieusement à s'impatienter. Hein. Bon, eh bien, mesdames et messieurs... Cher public... Mais quoi encore? Tu devrais dire, mesdames et messieurs, bien vu, cher public, ça sonne mieux. Bon, alors, mesdames et messieurs, cher public... Oui, c'est mieux, c'est mieux. Je vais vous donc vous demander un peu d'indulgence, parce que la pièce que j'ai l'intention de vous interpréter est destinée de jouer à deux comédiens, mais je te dérange pas, surtout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, mais je parle. Tu parles. On voit bien que tu parles. Nous aussi, nous avons des choses à nous dire. Mais je te dis que je suis en train d'expliquer. Justement, tu expliques trop. Tu joues, tu ne joues pas. Quand tu commenceras à jouer, tu nous préviendras. Mais là, je joue. Tu joues pas parce que tu me parles. Bah, je te parle parce que tu m'empêches de jouer. Bah, joue alors, elle me parle plus. Mais alors tais-toi. Mais je me tais. Mais non, tu ne te tais pas. Et même quand toi tu dis je me tais, tu parles. Et si toi tu parles, eh bien moi je ne peux pas parler. Mais alors là-bas, c'est à toi que je te parle. Bah alors tu joues pas. Mais je te parle une dernière fois pour savoir si tu as compris que tu ne devais pas parler pendant que je joue. Oh bah si c'est toujours comme ça, Théa, je comprends pourquoi les gens préfèrent rester devant leur télévision, hein. Et puis arrête de parler aux spectateurs, ça m'empêche de me concentrer. C'est la première fois que je vois un comédien se concentrer devant les spectateurs. Habituellement, on fait ça en coulisses, hein. C'est intéressant, mais c'est lassant, hein. Bon, bah dites donc, le bar est ouvert? Parce que moi, pendant qu'il se concentre, j'irais bien boire une petite bière bien fraîche. Mais alors, il n'y en a pas question. Il n'y a pas question que tu ailles boire une bière. Pas de bière? Bah, un petit coca, alors. Pas question non plus. Pas de bière, pas de coca et surtout pas de café. Bon, ben, pas de bière, pas de coca, pas de café. Le bar est drôlement mal achalandé, hein. On va s'organiser, sinon on va pas s'en sortir. Bon, ben, je vais prendre les commandes. Alors, bonjour monsieur. Attendez, j'arrive madame, j'arrive. Je vais commencer par monsieur. Alors, il n'y a pas de bière, pas de café, pas de jus d'orange. Une petite bouteille d'eau, une eau minérale. Alors, une eau minérale. Alors, on fait aussi des sandwichs pour ceux qui veulent manger. Jambon beurre, pâté, rillettes corniche, jambon. Ah, pour la rangée du fond, des sandwichs, oui. Un jambon beurre, ça vous dira. Une petite eau minérale. Alors, on fait également des plats chauds. Spaghetti bolo, choucroute, paella, des rognons. Ah, des rognons pour le monsieur du fond. Et on reçoit ça qu'un bon petit vin blanc. Arrête ce cirque immédiatement. Une seconde, mesdames et messieurs, nous avons un petit problème en cuisine. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ça ne suit plus? Viens, chef, maintenant, viens un peu ici, j'ai deux mots à te dire. Ça va pas, non, tourner comme ça? Mais ça serait meilleur, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Quoi, ça marche, non? Évidemment, si on avait du café, ce serait mieux. Du café maintenant, viens un petit peu, j'ai t'en foutre, moi, du café. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Notre chef cuisinier vient de se blesser. Sans gravité, rassurez-vous. Mais nous allons être obligés de nous passer de lui. Je vous demande donc un peu d'indulgence. Nous assumerons l'essentiel des commandes. Par contre, pour les rognons, monsieur, ce ne sera pas possible. Cependant, j'ai une bonne nouvelle. La machine à café vient d'être réparée. Pour la bière, c'est toujours non. Voilà, encore une fois, nous sommes vraiment confus, mais je suis sûre que vous passerez une excellente soirée ce soir. Vous savez, il faut prendre la vie du bon côté. Et comme me le disait souvent un vieil ami, un type formidable d'ailleurs, la meilleure devise appliquée est encore celle-ci. Ils vont heureux en attendant la mort. Allez, la maison offre les digestifs.